as appelé ton père? Oui. Et il dit quoi? Il a dit qu'il est occupé. Comment ça il est occupé, hein? Ça ne dit rien du tout à ton père que tu sois avec un homme depuis 6 mois. Il n'a pas cherché à me voir. Il n'a pas cherché à me rencontrer. Il n'a pas cherché à voir son bienfaiteur. C'est quelle éducation ça? Tu penses que c'est facile de nourrir l'enfant d'autrui en ces temps-ci là? Hein? Quand tu trouves quelqu'un comme ça qui prend soin de ton enfant, tu vas le rendre visiter, le remercier, le louer, hein? le combler de louanges, d'adoration, de gloire, le porter haut. Appelle-le. Oui. Carreau qu'on a mis séché. Tu peux aller enlever les chaussures dehors. Alors, vous regardez mes chaussures. C'est pas les mêmes prix, papa. Pour moi, séché. En plus, c'est moi qui ai mis les carreaux. Oh, ouais. Ah, Gervi. Gervi. Je ne suis pas content de vous. Comment? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas content de vous. Sérieusement. À un moment donné, il faut avoir la capacité de se dire la vérité. On est entre hommes. Reste tranquille. On parle entre hommes, tu me tues. C'est quoi ton problème? Oh. C'est mon père. Si c'est ton père. Papa, reste tranquille. Papa, c'est qui frappe à ma porte comme ça? Tout s'est passé comme prévu. Le vieux qui reste derrière là-bas là, et ses enfants ont voulu faire passer là, à qui vous avez donné 70 dollars. Ils ont fait accident aujourd'hui et ils sont tous morts. Ça crie dans le quartier maintenant. Ils ne sont pas tout le monde. Je les regardais, je riais sur ma mère. Mais ils ne savent pas encore avec qui ils ont affaire. Bientôt là, vous allez me donner la stratégie et moi-même là, je vais picorer les inconscients, les voleurs du quartier. Je vais les picorer un à un. C'est bon. Il faut rentrer. Asseyez-vous. Vous ne me donnez à manger. Non, asseyez-vous. Papa, restez tranquille, vous aurez raison. Mais non, qui nous va mettre un job? Papa, levez-vous, papa. Levez-vous là, papa, s'il vous plaît. Levez-vous. Papa, venez. Papa, c'est Dieu même qui vous grandit. C'est Dieu même qui s'occupe de vos affaires, papa. Papa, ne dites rien. Vous avez raison. Le ciel et la terre sont au courant. Papa, venez. Venez, papa. Hé hey, papa, on suppose que c'est maintenant que vous êtes venu. Sinon avant, vous n'êtes jamais venu dans cette maison. On suppose, Diemiwa papa, Diemiwa, Miwa da ya, Diemiwa. Refrappez à la porte papa, refrappez à la porte. Refrappez à la porte. C'est qui? Ah, mon père! Mon père! Oh, bonne arrivée à la maison, mon père!
C'est-à-dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire, je ne suis même pas digne de vous recevoir, mon père. Mais votre clémence est grande. Rentrez. Rentrez, mon père. Rentrez avec. Rentrez, mon père. Non, mon père, laissez la chaussure, mon père. Laissez la chaussure, mon père. Papa, mes besoins, mon gars, faut pas, papa, mes besoins. African Pride Music. Tonton Victor le bourgeois a voulu mentir, mais on sait.